صوت لها صن النادي بلسانك يا السهرة فرحي يا أرضي بلادي أرضك سبها طورة مولدنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء الله 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 مسيرة موشط بلاد وبناتو شي أرهس المهب والخارج صارتو مسيرة موشط بلاد وبناتو شي أرهس المهب والخارج صارتو الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي للا عيشة. أنا نهب المغرب وسهرة مغربية. Alors notre groupe s'appelle les The Messengers of Messages, en français les messagers des messages. Et nous sommes un groupe de 5 personnes. Aujourd'hui nous sommes 2. Nous avons également 3 autres membres qui sont respectivement du Bénin et de l'Afrique du Sud. Voilà, alors notre mission c'est de promouvoir le message de paix et d'unité africaine à travers l'art et la culture. Et alors nous sommes là au Maroc justement dans le cadre d'une résidence artistique et dans le but aussi de renforcer, soutenir disons la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, qui se bat pour promouvoir la coopération Sud-Sud. Donc l'intégration, la cohésion sociale, l'échange culturel, ce sont n'est-ce pas des thèmes que nous avons abordés à travers différentes activités depuis que nous sommes venus au Maroc. Et l'une des chansons principales que nous avons reprises, la chanson de Nida Saout El Hassan de la Marche Verte, nous a été inspirée par notre leader Prince Malatsi Siwa de l'Afrique du Sud. Parce que nous savons aujourd'hui que la question du Sahara est une question qui divise notre Afrique. Alors notre leader, il est de l'Afrique du Sud, mais il sait que le Maroc et l'Afrique du Sud justement ont des différends sur la question du Sahara. Et nous, en tant que messagers des messages, nous sommes pour l'unité de l'Afrique. Et nous avons été dans le Sahara. Nous savons que le Sahara, il est marocain. Nous avons été accueillis par les Marocains du Sahara et c'est indéniable. Et nous nous sommes dit, en tant que messagers des messages et ambassadeurs de paix, il est de notre devoir de passer le bon message et le message qui va unir notre continent. Et c'est la raison pour laquelle on a repris la chanson de la Massira Khadra, qui aujourd'hui pour nous est un exemple de guerre pacifique. Parce que l'Afrique aujourd'hui souffre de conflits, de guerres, de maladies, voilà. Donc aujourd'hui, la Massira Khadra doit être un exemple de guerre pacifique où les Marocains sont sortis de façon volontaire avec le drapeau, donc l'amour pour la patrie, et le Coran, l'amour de Dieu. Donc il est important aujourd'hui que les gens se rappellent de Dieu dans leur vie. Il est important que nous nous aimons les uns les autres. Il est important que l'on arrête la guerre. Donc la Massira Khadra pour nous, c'est un exemple d'unité. Et aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, les projets que le Maroc, Sa Majesté, Dieu l'assiste, est en train de mettre en œuvre dans le Sahara. Donc vous voyez les transactions commerciales, vous voyez les consulats, les ambassades qui s'installent. Donc le Sahara aujourd'hui devient le cœur du développement économique. La passerelle incontournable, le trait d'union entre le Maroc, toute l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Voilà. Et bien sûr les États-Unis. Et voilà, aujourd'hui même les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara. Donc nous sommes là pour encourager cette unité africaine. Nous sommes là pour dire aux Marocains qui sont africains que nous devons être unis, nous devons nous aimer. Et vive le Maroc, vive l'unité africaine, vive le roi Mohamed VI, viva. Nous faisons le tour en fait, nous allons de pays en pays et nous mettons en œuvre en fait différentes activités de cohésion sociale, d'intégration. Et nos cibles, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont issus de milieux défavorisés et les femmes vulnérables. Donc à travers différentes activités culturelles, de création artistique, des expositions, des spectacles, etc. Voilà, mais après notre mission au Maroc, nous prévoyons nous rendre en Afrique du Sud où nous avons un autre projet. Et notre leader va également se présenter aux élections présidentielles en Afrique du Sud. Et il va s'assurer, n'est-ce pas, que l'Afrique du Sud et le Maroc soient les meilleurs amis du monde. Moi, personnellement, j'ai un master professionnel en sciences de gestion. J'ai travaillé comme consultante en performance opérationnelle. Donc, je monte les projets. Je fais des projets en freelance. Donc, on me sollicite, je fais les projets, on me paye pour ça. Et elle a un background de management. Elle était actuaire. Donc, elle travaille dans le domaine de l'assurance également. Voilà, et elle est poète aussi. Donc à côté, moi je suis chanteuse. Donc ça veut dire qu'on a des passions et on essaye de les allier parce que dans la vie, il faut être polyvalent.
Il faut pas faire une seule chose. Voilà. Et actuellement, nous sommes justement dans une lancée de continuer à promouvoir la Masela Khadra et surtout aussi mettre la joie dans le cœur des gens. Parce qu'avec le Covid, beaucoup de gens ont beaucoup perdu. Il y a plein de gens qui ont fermé leur business parce que ça marche pas. Il y a plein de gens qui ont perdu espoir. Et nous, on va comme ça dans les rues, on fait des spectacles de rue juste pour apporter de la joie aux gens et leur faire savoir qu'il faut continuer à vivre. Tant qu'on a la santé, on doit dire Alhamdulillah. Donc, et nous, quand on met le sourire sur les lèvres des gens, on est content parce qu'on sait que Dieu est fier de nous. Dieu est content parce que pendant que les gens ils pleurent, nous, il nous donne la force de sortir et de leur essuyer les larmes et encore de mettre de l'espoir dans leur cœur. Déjà, à la nation marocaine, je dirais merci. Merci, merci parce que nous avons vraiment été bien accueillis au Maroc. Nous nous sentons chez nous au Maroc. L'hospitalité marocaine, elle est indéniable. On l'a vécu, on le vit au quotidien. Partout où l'on passe, les Marocains nous embrassent, ils nous appellent, ils nous aiment, ils prennent des photos, ils retrouvent cette identité africaine et ils recherchent justement le retour à cette source africaine. Et ça nous laisse le temps aussi de communiquer avec eux et leur rappeler qu'ils sont africains. Alors nous allons encore leur dire merci et nous allons leur dire de se rappeler que nous avons le même sang qui coulant dans nos veines. Continuez à nous aimer, continuez à nous serrer la main et voilà, vive l'unité africaine. Merci au Maroc. Achal Malik ou Sahara Maghribia. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.